Bah voilà, je suis à Cannes, on commence à faire une petite vidéo parce que là évidemment on va avoir des voitures un peu d'exception comme cette DB11 là, magnifique, un V12. Voilà, je prends le même style que les autres Aston, mais un peu plus racée, un peu plus sportive. Je sais pas si on va voir l'intérieur, c'est pareil. Voilà, il va y avoir le même système de boîte de vitesse avec les boutons et puis la clé en cristal évidemment. Voilà, belle voiture en tout cas, belle ligne. Alors, pas trop de monde à Cannes, un peu surprenant. Là, on est sur les voitures du Grand Hôtel. Magnifique rose. Allongé. Pas une récente. Elle est sympathique. À côté, la Panamera électrique. Allez, là évidemment, le long des grands hôtels, les voitures éventuellement qui sont à la location, comme cette Lamborghini peut-être. Aventador. L'une derrière l'autre. Ça c'est une Ferrari. Voilà. Belle ligne. Quand on regarde, on voit qu'il y a une... Je sais pas lequel a copié sur l'autre, mais ça se ressemble. Et puis là, on a les gros AMG 4x4 Mercedes. Alors, ça ne doit pas être un Brabus, mais c'est un G63. Allez, on monte. Bugatti, Bugatti Veyron. Voilà. À l'intérieur, évidemment magnifique. Et derrière, le gros 4x4 Rolls-Royce. Suivi du gros 4x4 ou SUV Lamborghini. Voilà. Et puis de l'Audi RS. R8, pardon. Le monstre. Monstre 4x4. Le camion, quoi. Un camion rapide. Le G500. Et devant, c'est ce bel hôtel aussi. Ferrari. Le gros V8 biturbo rallongé 4x4, 3 essieux, rien que ça. N'importe où, aussi la mode des 4x4 en ce moment. De côté, il y a une corniche Rolls Royce. Ferrari et la Bugatti Veyron. Voilà. Voilà, tu es obligé de charger avec un chargeur automatique, je suppose. Ballot, ça, c'est ballot. Voilà, on tourne, allez. Ah, tiens, ça c'est tout petit, n'est-ce pas? Ferrari et l'arrière. Oh. Alors là c'est 6-6 là. Et la Ferrari. Un autre
Flambeau qui doit avoir du mal à prendre des dos d'âne. Toujours les gros 4x4. On est dans la Lamborghini Cabriolet. Gros V8 Bentley. Voilà, énorme SUV aussi. Tiens, une belle Alpine au coloris, un bleu soutenu avec des jantes dorées. Alors, une jolie voiture. Bien, allez, on rentre. On est dans le sous-sol et on voit une Aston, une DB9. Belle Ferrari qui se gare pour livrer.